Chères étudiantes et étudiants, chers citoyens et citoyennes, nous sommes plus de 2000 rassemblés ici ensemble afin de questionner la valeur accordée à notre parole, à notre opinion par le gouvernement libéral de Jean Charest. Malgré des revendications claires, des idées éclairées du côté étudiant, malgré un soutien marqué de plusieurs personnalités publiques, malgré un débat ouvert par une multitude de journalistes, de chroniqueurs, de citoyens, le gouvernement reste sourd à nos voix. Il ne reste pas seulement sourd à la voix des étudiants. Il reste sourd à toutes les voix qui exigent que notre nation continue à évoluer en s'éduquant, en se scolarisant, que notre nation continue de bâtir une société forte et instruite, une société dont le système est au service des citoyens et non pas au service d'une logique économique, d'une marchandisation grandissante des biens et services publics. Plus qu'à l'éducation, c'est à l'esprit progressiste de la société québécoise que le gouvernement libéral s'attaque avec la hausse de frais de scolarité. Comme le disait Gilles Vigneault, les chemins qui vont droit devant s'escaladent. Regardez-nous bien aller, Monsieur Charest, et voyez comme nous sommes prêts à escalader des montagnes pour la société en laquelle nous croyons.